Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons tout de même à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les gens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous prier et vous demander de rester très courtois dans vos commentaires. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté de la Guinée-Conakry, où le colonel Mamadi Doumbouya et une grande partie de son gouvernement sont en train de préparer un déplacement pour les États-Unis d'Amérique, où ils devront assister au 78e sommet de l'Assemblée générale des Nations Unies. Face à ce déplacement qui se prépare depuis longtemps, le président de la transition a donc décidé de dépêcher une grande partie des membres de son gouvernement, y compris des ministres. On peut citer entre autres le ministre Ousmane Gawal Diallo et la ministre Aminata. On se pose donc la question à savoir, lors du déplacement du colonel Mamadi Doumbouya pour les États-Unis, qui sera donc chargé de garder le pays en attendant le retour du président Mamadi Doumbouya du pays de l'oncle Sam. Alors, on comprend bien que dans la liste des ministres qui ont été cités et conviés au voyage, un seul ministre parmi les ministres préférés du colonel Mamadi Doumbouya est resté à son poste. Il s'agit bien et bel du ministre Amara Camara, qui est le ministre secrétaire général à la présidence. Et en quelque sorte, le président, le porte-parole de la présidence de la République. C'est ce dernier qui sera donc chargé de garder le pays en attendant le retour du colonel Mamadi Doumbouya du pays de l'oncle Sam. Et bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne, partagez avec vos amis, amis, famille, reconnaissance si vous la trouvez notamment intéressante. A très bientôt pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous très bien.